De changer le mode de diffusion parce qu'il y a beaucoup de coupures à partir du système de l'ordinateur. On a lancé je crois 3 fois et ça s'est coupé. Donc on a dû utiliser l'ancienne méthode pour faire YouTube. Et j'espère que vous m'entendez sur YouTube. Si vous me recevez sur YouTube, dites-moi si vous avez le son sur YouTube, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un feedback si vous avez le son bien aimé sur YouTube. Ok, vous m'entendez très bien. Je vais demander à la famille Facebook. Ouais, tous ceux qui étaient sur YouTube, revenez parce qu'on est sur YouTube à nouveau. Quittez sur les anciens streams. Qui n'ont pas fonctionné. Glory Family, toutes nos excuses. C'est les aléas du direct et de la technique. Donc, quittez sur les anciens streams. Maintenant, je pense que ça va. Mbesso Marcel, je pense que ça va. Sylvain Breka, God bless you. All right, connectez-vous sur YouTube. Vous qui étiez sur YouTube, qui êtes parti, connectez-vous à nouveau. Facebook déconne chez qui? Aya Dadin, ça fonctionne mal chez vous. Est-ce que c'est la même chose partout, Facebook? Chez moi, ça va. J'espère que... Vous qui êtes sur Facebook, s'il vous plaît, donnez-moi un feedback. Ok, Marcel, c'est là. Toi, à quinte, je ne peux pas parler. C'est là, tu dis quoi? C'est super sur Facebook. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il est 19h24. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore opérer dans le spirituel. Je voudrais, avec vous, bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il s'est passé beaucoup de choses dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. L'ennemi, le serpent ancien, le dragon de l'Apocalypse, a été vaincu grâce au sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde, manifesté à la croix du calvaire à Golgotha pour nous, et aussi grâce au témoignage que les saints rendent de l'œuvre de la croix. Après la session d'hier, il y a eu deux fois plus de témoignages qu'avant-hier. Ce matin, j'ai partagé quelques témoignages sur le groupe WhatsApp de Glory Family. Juste un peu, parce qu'il y en a qui sont beaucoup privés. Il y a des témoignages privés que je ne peux pas partager. Mais pour ce que je pouvais rendre comme témoignage public, j'ai déposé ça sur le groupe WhatsApp de Glory Family. Et beaucoup sont en train d'être édifiés par ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Pendant ce programme, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de repositionnement. Cette maman, cette dame qui est en Italie, dont on avait perdu le dossier alors qu'elle a présenté un concours, on ne retrouvait pas son dossier. On ne l'appelait même pas pour la convoquer pour aller à l'examen. On ne retrouvait rien, pas de trace. Et les gens sont allés composer. Elle s'en est plainte. Et pendant le programme, voici ce qui va se passer. Ils vont l'appeler. Elle va aller composer. Et ce matin, elle envoie le témoignage de son admission. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà une destinée qui est en cours de rédaction. Le témoignage est là sur le groupe. Il y en a plusieurs que j'ai partagé aujourd'hui. Des paroles de consolation que certains ont reçues, des enseignements qui ont édifié, qui ont éclairé. Je voudrais vraiment avec vous ce soir bénir le notre Dieu qui a fait de grandes choses parmi nous et qui ce soir encore va faire de grandes choses. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu va faire de grandes choses pour toi ce soir. Dieu fera de grandes choses pour toi. Je veux te demander seulement d'être connecté. Je ne te demande rien d'autre. Sois connecté. Il n'y a aucune barrière dans le spirituel. Il n'y a aucune muraille dans le spirituel. Il n'y a aucune distance dans le spirituel, quelle que soit la distance. De là où tu es connecté, ici comme à distance, en direct comme en différé, la grâce ne pourrit pas. L'onction ne pourrit pas. Le Dieu du maintenant, le Dieu du présent te localisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons insisté hier sur les semences maléfiques, les semences sataniques. Le Seigneur nous a pratiquement contraints à prier et déraciner la semence de non-accomplissement. Et vous avez continué la prière. Ce soir, nous allons poursuivre sur les semences antidestinées. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu as une maladie cachée dans ton corps, s'il y a un implant satanique dans ton corps, il faut te connecter. Toute substance étrange dans ton corps que la médecine n'arrive même pas à détecter. Tu peux avoir fait des examens, on ne retrouve rien. Mais tu sais que cette chose est là. Tu en subis les conséquences. Les symptômes sont là. Mais tu ne vois rien. Tu fais toutes les radios, scanners, il n'y a rien. Une maladie mystérieuse. Une présence mystérieuse, une excroissance physique dans ton corps, sur laquelle tu n'as aucune emprise. Ce soir, c'est ton soir de guérison au nom de Jésus. Ce soir, c'est ton soir de guérison au nom de Jésus. Ce soir, c'est ton soir de guérison au nom de Jésus. Cette plantation maléfique, cet ivraie qui a été semé par l'ennemi dans ton corps et qui est en train de te tuer à petit feu,
Par le feu, il disparaîtra au nom de Jésus. Par le feu, il disparaîtra au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler des semences antidestinées avant de rentrer en prière. Je veux que tu écoutes cet enseignement de ce soir. Je vous avais parlé hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais enseigner sur la destinée. Mais à cause du temps et des prières, permettez qu'on reporte ça à demain. Je dirais juste deux, trois mots sur certaines tragédies de la destinée. Et le texte que le Seigneur nous a inspiré ce soir est tiré du livre de 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire un long texte ce soir. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Si vous y êtes, dites-moi Amen. Monsieur le maire, Sia Kakoulibaly, cher aîné, que Dieu te bénisse. Marie Chantal Dezou, Dieu te bénisse. Ma fille Rachel Thiébé, Dieu te bénisse. Oh, merci beaucoup. Merci encore, merci encore, merci. Tu sais, je sais, que Dieu te bénisse. Ce passage que je vais lire est très, très important. Et je prie que quelqu'un ait le cœur illuminé ce soir, au travers de ce passage. Avant de prier, il faut écouter la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et je vous ai dit hier que le fondement de la prière, c'est la parole. Rien ne se fait sans la parole. Et cette parole va bénir quelqu'un ce soir. Amen. Écoutons la parole sacrée de Dieu. Amen. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, soulignez Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile, très habile. Quand la Bible parle de très habile, la Bible parle de rusé, de malin, de futé, l'esprit de Satan. L'esprit de Satan, les manipulateurs, les Achitophel. Yes. Sont considérés comme des gens très habiles. Donc Amnon avait un ami. Et cet ami n'était rien d'autre que son cousin. Amnon était prince. Fils de David, prince. Et il avait un cousin qui était son ami. La relation fraternelle a été doublée par la relation amicale. On n'est pas obligé d'être ami. Mais on ne choisit pas ses frères. Personne ne peut choisir son frère. C'est déterminé par Dieu. On est dans une famille, on a des frères, on a des soeurs, on ne choisit pas. Mais tu peux décider de qui est ton ami. Et donc dans les familles se forment des relations, des connexions. Et en dehors des familles. Donc en plus d'être le cousin de Amnon, Jonadab était l'ami de Amnon. Et la Bible nous décrit Jonadab comme quelqu'un de très habile. Pas seulement habile, très habile. Cette habileté-là, elle est satanique. Alléluia. Donc je vais continuer la lecture, mais je vais faire une lecture commentée
pour que quelqu'un comprenne où on va. Je suis en train de te parler de quelqu'un qui s'appelle Amnon. Écoute très bien, je lis encore le verset 3. Je lis encore le verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, verset 4, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère, donc j'aime ma demi-sœur. On a même père, on a le même sang. Tu n'as pas trouvé femme ailleurs. Tu n'as pas eu sentiment pour quelqu'un d'autre. Le même sang, relation consanguine. Ils n'ont pas la même mère, mais ils ont le même père. Il dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. David envoya dire, non, Amnon se coucha, verset 6, Amnon se coucha et fit le malade. Il n'est pas malade, hein? Il fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère. Prépare-lui un mets. Verset 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et elle les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie, soulignez infamie, ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Amnon a violé sa demi-sœur. Amnon a violé sa demi-sœur. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle, regardez, hein, une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Arrêtons là une seconde. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est amoureux de sa demi-sœur et qui, sur conseil de son ami qui est très habile, manipule même son propre père, David. Et qui trompe cette petite sœur et la viole.
Mais dès qu'il finit de commettre cette infamie, cette abomination, la Bible dit qu'il eut pour elle une aversion, un rejet qui était plus fort que n'avait été son amour. En une fraction de seconde, dès qu'il a fini de commettre son forfait, il a commencé à détester la fille plus qu'il ne l'avait aimée. D'où est venue cette semence, bien-aimé? D'où est venue cette semence d'amour et de haine? D'où est venu ce sentiment? Je te parle de semence satanique. Alléluia. Il dit, lève-toi, va-t'en, verset 6. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. C'est pas celui qui a dit j'aime ta mère. N'est-ce pas Amnon qui a dit j'aime ta mère, ma soeur? Et pour ta mère, il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Il maigrissait tous les jours, il perdait du poids tous les jours, il avait un gourmet. Pas possible, Promax. À cause de sa petite sœur, sa demi-sœur. Mais dès qu'il finit de la violer, c'est comme s'il ne l'avait jamais aimée, même en tant que sœur. Il dit, éloignez de moi cette femme. Il dit même pas ma sœur. Regardez le niveau d'aversion. Le monsieur vient vers toi. Il te fait toutes les propositions alléchantes. Dès que ça commence à marcher entre vous, c'est comme s'il ne t'a jamais connu. Ou la femme, c'est comme si elle t'a jamais connu. D'où vient cette semence, bien-aimée? Quelqu'un comprendra où on va. Alléluia. La Bible dit au verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, donc une princesse. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges, le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Parce qu'il faut justifier pourquoi elle a perdu sa virginité demain. C'est une abomination en Israël que de perdre sa virginité avant le mariage. Aujourd'hui, on ne trouve plus de filles vierges, ni dans nos assemblées, ni ailleurs. C'est une espèce rare. Mais voici ce qui était la norme. Les filles se conservaient pures. Elles étaient vierges jusqu'au mariage. Donc pour une fille qui a été déviergée, qui a perdu sa virginité avant le mariage, c'est un crime. On pouvait te lapider et on va te tuer. Tu as déshonoré ta famille. Oh, elle est princesse. Il faut justifier ça. Donc elle est obligée de répandre la cendre sur elle, de déchirer sa tunique, de mettre sa main sur sa tête en poussant des cris pour faire savoir à tout le monde qu'une tragédie vient d'avoir lieu, qu'une calamité vient d'avoir lieu, qu'un malheur lui est tombé dessus. Elle est obligée d'agir comme ça en public. Et regardez le verset 20. Absalom va comprendre ce qui se passe. Absalom, son frère, lui dit, écoutez bien, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Ce n'est pas une question, hein. Il dit, Amnon t'a-t-il violé? Absalom comprend ce qui s'est passé. Il dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et ta mère, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Les deux sont de même père, même mère. Et Tamar ne pouvait plus retourner dans les appartements où étaient les autres jeunes filles. Là d'où David l'avait appelée. Tamar est obligée de se cacher à cause de l'opprobre qui est tombé sur elle chez son grand frère Absalom. Regardez le verset 21. Le roi David l'a pris. Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Une telle tragédie vient de se passer dans ta maison, roi David. Il fut très irrité, d'accord. Mais qu'a-t-il fait? Rien du tout.
Il n'a pas appelé Amnon. Il n'a pas appelé Tamar. Il n'a pas appelé Absalom. Il a été un père de famille démissionnaire. Il n'a pas réglé ce problème de famille. Il n'a rien fait devant cette calamité qui venait de rentrer dans sa famille. Absalom a gardé ça. Absalom a gardé ça. Voici la semence qui a provoqué la rébellion d'Absalom contre David. Voici la semence qui a provoqué la rébellion de David, d'Absalom contre David. Le fait que son père n'ait rien dit. Il n'a même pas puni Amnon. Il n'a même pas réprimandé. Le silence de David a été la semence de la rébellion de son fils Absalom contre lui. Est-ce que quelqu'un comprend où on va maintenant? Je dis, le silence de David a été la semence qui a provoqué la rébellion d'Absalom contre son propre père. Yes. Auparavant, il n'y avait aucun problème dans la famille. Yes. Absalom n'avait aucun problème avec quelqu'un. Mais voici qu'un prince, son frère, son demi-frère, viole sa petite sœur sous le règne de son père. Et tout ce qu'il reçoit, c'est le silence. Sa sœur est déshonorée. Et regardez le verset 22, 23, pardon. 2 ans après, soulignez bien ça. 2 ans. Pendant 2 ans, rien n'a été fait. Comme Absalom avait la tondeur à Baal-Hatsor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici, ton serviteur a la tondeur. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Amnon avait des enfants. Et tous les fils de David du roi. Amnon est parti avec tous les fils du roi. Tous les enfants de David ont suivi Absalom, y compris Amnon, pour aller tondre les brebis. Verset 28. Absalom donna ce ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Vous voyez comment Absalom organise l'assassinat de son propre frère. Il va faire couler le sang de son propre frère, le sang de David. C'est la même semence. Mais voici comment il organise. Il se venge du déshonneur que sa sœur a subi. Et il se venge de son père qui a gardé le silence. Verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Verset 30. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi. Et qu'il n'en était pas resté un seul. Donc, les serviteurs d'Absalom ont tué Amnon. Mais l'information qui parvient en ville, c'est que David vient de perdre tous ses enfants. Que Absalom, ça c'est rumeur. La rumeur dit maintenant que non, que tous les princes sont morts. Que Absalom a tué tous ses frères et il est resté seul. Ok. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Donc tout le monde a déchiré les vêtements. C'est un signe de deuil en Israël. Regardez le verset 32.
Je veux qu'on lise le verset 32. Vous allez comprendre quelque chose par l'Esprit de Dieu. On informe le roi que tous ses enfants sont morts, que Absalom a tué tous les autres enfants. Regardez le verset 32 qui parle. La Bible dit, Jonadab, vous soulignez le souvenir de lui? Yes. Jonadab, le planteur de l'ivraie, le semeur de l'ivraie, celui qui a donné la stratégie à Amnon pour violer sa petite sœur, sa demi-sœur, c'est lui encore qui se présente. Il était vraiment très habile. Jonadab, fils de Shimei, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. C'est lui qui annonce la mort de Amnon. C'est Jonadab qui annonce la mort de Amnon. C'est lui qui donne un mauvais conseil à son cousin, à son ami. Et la conséquence de ce conseil-là, la conséquence de cette mauvaise semence, c'est que son cousin meurt. Et c'est encore lui, l'homme très habile, qui vient au devant du roi pour dire, non, le roi David, non, tous tes enfants sont en bonne santé, tout le monde vit. Mais Amnon, c'est lui qui a été tué. Je continue, vous allez voir. Je reprends. Jonadab, fils de Shimei. Shimei, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa soeur. C'est pas Papato, c'est pire que Papatoya. Ça, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est lui qui a poussé Amnon à déshonorer sa soeur. Quand Amnon lui a dit, frère, cousin, je suis amoureux de ma demi-sœur, il aurait pu lui dire à toi aussi. Il aurait pu lui dire à toi aussi. Tout le royaume d'Israël, avec toutes ces belles femmes, celle-là, c'est ta demi-sœur, vous avez le même sang. Vous êtes du même père. Cette affection ne vient pas de Dieu. Cette semence ne vient pas de Dieu. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de l'amour. C'est un désir charnel, abominable et criminel. C'est un désir d'inceste. Tu ne dois pas aller vers elle. N'y pense pas. C'est une attaque. Tu es sous attaque, mon frère. Il aurait pu aider Amnon à sauver Amnon. Il aurait pu aider Amnon à guérir de cette attaque satanique. Jonadab n'a pas fait ça. Bien-aimé, Jonadab est celui qui a donné le mauvais conseil, qui a présenté la stratégie. Faites attention au Jonadab autour de vous. Amen. Je dis, faites attention au Jonadab autour de vous. Amen. Des gens qui vous donnent de mauvais conseils. Amen. Des conseils sataniques qui polluent vos pensées, qui polluent votre esprit, qui vous amènent à faire de mauvaises choses. Ils sont les premiers à aller dénoncer les mauvaises choses que vous avez faites. Pourtant, c'est eux qui vous ont dit de le faire. C'est eux qui vous ont inspiré les mauvaises résolutions. Regardez ce que Jonadab dit. Non, ça fait mal quand tu lis ça. Il dit, c'est une résolution à... Je vais reprendre le verset 32. Je veux que tes yeux s'ouvrent sur quelque chose. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, Jonadab savait que Absalom voulait tuer Amnon, mais il n'a pas informé le roi. C'est maintenant qu'il dit que c'est une résolution d'Absalom depuis le jour. Il ne dit pas le jour où je l'ai inspiré. Le jour où je fais la stratégie. Il savait, il avait l'information. Et il a caché ça au roi David. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un. Savoir que des choses se passent abominables. Ou un complot est en train d'être préparé contre lui. Et garder le silence. C'est que tu es un sorcier.
Est-ce que quelqu'un comprend? La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger l'homme. Jonadab était un sorcier. Parce qu'il était informé du complot, du crime, de l'assassinat, de la résolution d'Absalom. Il aurait même pu donner un conseil à Absalom pour dire: Absalom, comme tu l'as dit, c'est ton frère. Il a déshonoré ta soeur selon la loi d'Israël. Obligez-le à épouser Tamar. Puisque c'est lui qui l'a déviergé, c'est lui qui l'a déshonoré, obligez-le maintenant à épouser cette fille. Jonadab n'a rien dit. Qui est ton Jonadab, bien-aimé? Qui est ton Jonadab? Quelqu'un que tu prends comme ton ami, ton partenaire, ton pote, et qui apprend qu'il y a des choses qui se trament contre toi, ou qui t'induit en erreur. Jonadab est le neveu de David. C'est le fils du frère de David. Il sait qu'il va avoir du sang qui va couler dans la maison de David. Il n'a rien dit. Qui est ton Jonadab? Qui est cette femme, cet homme qui te donne de mauvais conseils ou qui garde le silence quand on veut te faire du mal? Qui apprend qu'il y a des choses autour de toi, qui dit rien? Il dit: car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Donc tu savais que Absalom avait résolu de tuer son propre frère. Mais tu n'as rien dit. Tu as gardé le silence. Et tu es le premier à venir annoncer la mort d'Amnon. Les sorciers, c'est les premiers à pleurer aux funérailles. C'est eux qui pleurent le plus. Je vais faire une pause pour te raconter le témoignage de Lai Weiwei. J'ai déjà raconté ce témoignage-là. On va continuer la lecture. Mais je te dis que les sorciers, les semeurs d'ivraie, ceux qui sèment l'ivraie, sont les premiers à pleurer plus haut, plus fort aux funérailles. La tragédie frappe la famille. Quand tu les regardes, tu ne peux pas savoir que c'est de vrais comédiens. Les Jonadab. Lai Weiwei est un jeune du Nigeria qui était brillant à l'école. Très, tellement brillant qu'il a obtenu une bourse pour aller étudier à Londres. Il allait étudier les sciences. Tellement brillant. Mention très bien. Et l'État lui a donné une bourse pour aller en Angleterre. Bien aimé, écoute bien. Lai Weiwei est content. Lai Weiwei va raconter sa soeur. Sa petite soeur. Et ses parents. Et il leur annonce que Dieu lui a fait grâce. Et qu'il a été sélectionné pour aller étudier en Angleterre. Sa petite soeur lui dit: est-ce que tu es sûr? Il dit quoi? Non, est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? Il dit: oui, bien sûr, je finis mes études, je viens m'occuper de la famille. Il n'a pas fait attention à la question. Est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? Il va en Angleterre. Il finit ses études. Il termine major. Et lors de la fête de fin d'année à la faculté, il s'adonne à beaucoup d'activités récréatrices. Il s'amuse, il joue au football, d'autres la natation. Lai Weiwei aimait la natation. Lai Weiwei, c'est un bon nageur. Il était tout le temps à la piscine. Tout le temps. Quand il a un petit temps, Lai Weiwei va nager. Donc le dernier jour, le jour de la fête, Lai Weiwei va à la piscine. Il est en haut comme ça. Et puis Lai Weiwei plonge. Là où Lai Weiwei tombe là, il n'y avait pas l'eau là-bas. Le niveau de l'eau était très bas.
son cerveau a pété. On a sa tête, on peut pas, on a dû prendre le morceau comme ça. Tout son cerveau est dehors. Ça, il s'est fracassé la tête. Un plongeon comme ça. Il s'est fracassé la tête. Il est mort sur place. Major de la promotion au Nigeria. Major en Angleterre. Grand destinée. Grand destin. Je dis grand destin. Il s'apprête à rentrer chez lui pour servir son pays. Servir son pays et aider ses parents, aider sa maman, aider ses frères et sœurs. Contribuer au développement de l'Afrique parce qu'il était ingénieur. Là, il est mort. Le jour, son cercueil est arrivé à l'aéroport à Lagos. Sa petite sœur pleurait plus que tout le monde. Elle se roulait par terre. Là, tu es mort. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu nous as tués. Là, tu nous as tués. C'est sur toi, nous tous, on comptait. Regarde, maman, qu'est-ce qu'elle va devenir? Là, et puis, elle pleure. Elle se jette dans la poussière là, de l'aéroport. Là. Elle se roule par terre. Elle pleure. Les gens vont l'attraper. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu va vous donner une autre grâce. Bien aimé, écoutez bien. 5 ans après, au cours d'une croisade, la petite sœur donne sa vie à Jésus. Elle abandonne les pratiques. Et elle vient rendre témoignage, elle vient confesser que quand elle était sorcière, c'est elle qui a tué son petit frère là, oui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quelle tragédie. Tu as fini de tuer et puis tu donnes ta vie à Jésus. Tu es devenue chrétienne maintenant. Mais la destinée de Lai Wewe est finie. Le chemin de Lai Wewe s'est arrêté. Sa destinée a été brisée par la sorcellerie familiale. Sa propre petite sœur était une sorcière. Qui ayant été gagné à Christ des années 5 ans plus tard, vient confesser que c'est elle qui a tué son petit frère, celle qui se roulait partout à l'aéroport. Voilà une jeune dame. Un destin inachevé. Bien-aimé, ta destinée ne sera pas inachevée au nom de Jésus. J'ai dit ta destinée ne sera pas inachevée au nom de Jésus. Aucun sorcier ne pourra détruire ta destinée au nom de Jésus. Continuons la lecture. Je voulais juste faire cette pause-là pour t'expliquer un peu la semence satanique dans nos familles. Cette fille, cette jeune fille, elle a tué la destinée de quelqu'un qui allait sauver toute la famille, qui allait être la lumière de la famille, qui allait sortir la famille de la pauvreté. La sorcellerie a tué ça. Alors, je reprends le verset 33. Quand le roi, mon seigneur, ne se tourmentant point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. David, il ne faut pas pleurer. Seul Amnon est mort. Qui a tué Amnon alors? Dites-moi, qui a tué Amnon? Est-ce que c'est Absalom qui a tué Amnon? C'est Jonadab qui a tué Amnon. Alléluia. C'est l'idée de Jonadab qui a tué Amnon. C'est la semence planté en Amnon par Jonadab, son cousin qui était son bras droit. C'est ça qui l'a amené à poser l'acte qui l'a conduit à la fin de sa destinée. Alléluia. Je veux te dire maintenant qui était Jonadab, qui était Amnon. Qui était Amnon, bien-aimé? Amnon vient de mourir. Il était prince. Mais qui était-il? S'il te plaît, prends ta Bible avec moi. 1 Chronique chapitre 3, verset 1. 1 Chronique chapitre 3, verset 1. Il faut savoir qui était Amnon pour comprendre ce qui se passe dans la famille de David. Et tu vas faire le premier point de prière sur ça. Qui était Amnon? Pourquoi c'est lui qui est mort? Malimbroski prahantelebo sakabaha. Ke antole karis kopra.
1 Chronique chapitre 3 verset 1 dit: voici les fils de David qui lui naquit à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de Israël. Le second, Daniel, d'Abigaël de Carmel. Qui était le premier-né de David? Amnon. Qui était l'aîné de la famille de David? Amnon. Qui était celui qui devait succéder au roi David? Amnon. Où est-il? Il est mort. Vous comprenez maintenant? Yes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? En 2 Samuel chapitre 3 verset 2, le même passage est repris. 2 Samuel chapitre 3 verset 2 dit: il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Achinoam de Israël. Donc voici le premier-né de la famille royale dont la destinée est avortée à cause d'une semence satanique, à cause d'une pensée satanique, à cause d'un mauvais conseil, à cause d'un sentiment, une affection satanique. L'ennemi a planté auprès de lui un cousin qui est un fils du diable, de livret. Jonadab était de livret dans la destinée de Amnon. Est-ce que quelqu'un comprend où on partait maintenant? Yes. Si tu comprends, acclame le Seigneur. Si tu comprends vraiment, acclame le Seigneur. J'ai pris le temps pour te faire ce développement pour que tu pries. Jonadab était livré dans la destinée d'Amnon. Alléluia. Jonadab était la semence de non-accomplissement dans la destinée d'Amnon. Lui, le prince, lui, l'aîné des fils, le premier-né qui doit avoir la double portion. Quand David meurt, on ne parlerait même pas de Salomon. Ça devrait être Amnon. Le premier-né de la famille, c'est la force, c'est la prémisse, c'est la vigueur. Et selon la loi juive, le premier-né a la double portion. Regardez ce qui se passe dans la lignée de David. D'où David est issu, aucun premier-né n'accomplit sa destinée. Quelqu'un m'entend? Oh yes. Aucun premier-né dans la maison de David n'accomplit sa destinée. Aucun premier-né ne devient le leader. Genèse 49. Yes. Genèse 49. Machata kabros katalabaha. Pourquoi Amnon est mort? Nous allons affronter le Jonadab livré dans nos vies. Mais nous allons aussi prier à cause de ce que il y a des choses qui font que les premiers-nés échouent dans les familles. Malabro sakabaha. Les batailles du premier-né. Genèse chapitre 49. Regardez très bien. Malabro satakaba. Verset 3. Jacob s'apprête à partir. Jacob s'apprête à partir. Israël va tirer sa révérence. Et il veut bénir tous ses enfants. Regardez la parole qu'il prononce. Il dit: Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voilà le premier-né. Supérieur en dignité, dit supérieur en dignité. Dit supérieur en puissance. Dit supérieur en dignité. Supérieur en puissance. Voilà la portion du premier-né. Il dit: tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Et tu es comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ruben a perdu le droit d'aînesse parce qu'il est allé sortir avec Bila, femme de son frère, de son père Jacob. Il a vu la nudité de son père, une abomination. Ruben, premier-né, il a été déchu du droit d'aînesse. Amnon, premier-né, déchu du droit d'aînesse à cause de quoi? Même péché sexuel. Le même péché sexuel, sous différentes formes. Les deux impliquent le sexe. Abomination, infamie.
tu ne verras pas la nudité de ton père. Une femme que ton père a connue, c'est une abomination que d'aller vers cette femme. C'est ce que Ruben a fait. Et il a perdu le droit d'aînesse. Voici Amnon, qui est le prince, qui doit être le prince héritier, qui meurt prématurément. Amnon est mort prématurément parce qu'il a violé sa demi-sœur. Quel est l'esprit qui est dans ta famille qui avorte les destinées, bien-aimés? Quel est ce pouvoir qui est dans ta famille qui avorte les destins qui sont grands? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Le monde spirituel est régi par des lois. Le monde spirituel est régi par des lois. Je pose la question. Regarde ta vie, regarde ta famille. Quel est l'esprit? Quel est le pouvoir dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui avorte les grands destins? Regarde la famille de David. David est issu d'Israël, de Jacob. Aucun premier-né ne réussit. La preuve, Jacob lui-même a pris le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Quelqu'un comprend? Ésaü a perdu le droit d'aînesse en vendant son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Il a vendu ça à Jacob. Deux nations sont dans ton ventre, Rebecca. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Dans la lignée familiale d'Israël, l'aîné n'a jamais la prééminence. Il faut renverser cette malédiction-là aujourd'hui. Amen. Je dis, il faut renverser ça aujourd'hui. Au est-ce que tu as compris tu as compris ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Donc, il y a dans nos familles des choses invisibles qui avortent les destinées. Or, nous sommes à cette nuit d'enfantement de destinée. Il faut que tu pries ce soir contre toute personne qui s'aime livrer dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère et les destins sont avortés. Les Jonadab qui sont dans nos familles et qui créent des problèmes dans la famille. Il y a beaucoup de Jonadab qui mettent tout le monde en palabre. Il y a des Jonadab dans nos églises. Oh là là, il y en a ici. Dans moi-même, mon assemblée, il y a des Jonadab qu'on a attrapés. Vis-à-vis, la main dans le sac. Grand menteur devant l'Éternel. Jonadab. Incarnation de Satan. On a attrapé des gens comme ça avec l'esprit de Satan. Ils se promènent de maison en maison, mettre les serviteurs de Dieu en palabre. Mettre les ouvriers du Seigneur en palabre. Il prend une parole ici, il va la transformer là-bas. Il prend là-bas, il vient la transformer ici. Des Jonadab. Et ils sont les premiers à donner les mauvaises nouvelles. Ils sont au courant des choses et puis ils ne parlent pas. Parce que c'est eux qui ont planté l'ivraie. Qui est le Jonadab qui est dans la maison de ton père et qui fait des pratiques abominables de ce qui pratique la sorcellerie? Et à cause de lui, sa sorcellerie, les destins sont avortés dans la famille. Beaucoup pensent que la sorcellerie, c'est manger l'homme. C'est pas ça. Hein? Eux, là, on les appelle les mangeurs de chair et les buveurs de sang. La jalousie, c'est de la sorcellerie. La jalousie familiale, là. Caïn, il a tué son frère. C'est pas jalousie. C'est la sorcellerie. Donc, quand on parle de sorcellerie, ne pensez pas mangeur de chair, buveur de sang. C'est une autre classe de cannibale spirituel. Je ne te parle pas de cannibalisme spirituel. Je te parle de la sorcellerie. Les manipulations sataniques. Ce n'est pas les vieilles femmes qui volent. Vous voyez, dès que vous voyez une personne âgée naître, c'est un sorcier. De sorte qu'on appelle des vieux aujourd'hui en Afrique. Dès que vous voyez un vieux naître, c'est peut-être une sorcière. Oh. Vous vous trompez. Oh. Les vieux, là, ils sont rien aujourd'hui. Ceux qui portent les brassards dans les royaumes, dans les couvents de sorcellerie, c'est des enfants aujourd'hui. C'est des jeunes de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au Ghana, ici, on a attrapé une petite fille de 6 ans. Elle est la reine. 6 ans, dans une école primaire. 6 ans. Il y a une qui a même dit, c'est moi qui ai séparé mon père et ma mère. Publiquement, un pasteur est venu prêcher dans l'église. L'onction est descendue. Sorcière, la petite ne pouvait pas tenir. Elle a commencé elle était en transe. Et elle a commencé à parler dans leur langue. Ashanti, tu.
C'était terrible. Si elle, elle avait 8 ans, elle dit, c'est moi qui les ai séparés. Parce que j'ai demandé l'argent à mon papa, il refuse. Donc, ceux qui portent brassard, les capitaines, hein, c'est pas les vieux. Donc, quand vous voyez les vieux, arrêtez d'avoir peur. On peut plus avoir cheveux blancs en Afrique tranquillement. Il y a quoi? On peut plus vieillir tranquillement en Afrique. Dès que quelqu'un a un certain âge, on dirait qu'il est maudit. Mais c'est peut-être. Quand tu pries même les sorciers, les vieux sorciers au village, c'est pas eux. C'est des petits, des gamins de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus ils sont petits, plus ils sont en grade. C'est eux qui portent brassard. Laissez nos vieux là tranquilles, pardon. Laissez nos vieux tranquilles. Laissez nos vieilles mamans tranquilles. On doit pouvoir vieillir tranquillement en Afrique, ça soit au village, sans qu'on soit traité de sorcier ou de sorcière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un même? Alléluia, acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Donc ce que j'ai voulu t'enseigner ce soir, bien-aimé, par le Saint-Esprit, c'est la tragédie de la destinée. Au travers de l'exemple de Amnon. 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 Un prince à qui était destiné le fauteuil royal. Le trône royal, pardon. Mais qui a perdu le trône, parce qu'il était l'aîné. Parce que dans sa famille, il y a une malédiction qui dit que les aînés n'accomplissent pas leur destinée. Écoute-moi bien ce soir, bien-aimé. Je veux renverser quelque chose dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête dès maintenant? Je veux renverser quelque chose dans ta vie par le manteau prophétique et apostolique que Dieu a déposé sur ma vie. Je veux renverser un décret sur ta vie. Le décret qui déclare que les premiers-nés ne doivent pas réussir dans ta famille. Même si tu n'es pas le premier-né, il faut qu'au travers de ta prière, le premier-né de ta famille réussisse. Tu n'es pas obligé d'être le premier-né. Mais le premier-né, c'est la prémisse de la vigueur. C'est la supériorité en dignité. C'est la supériorité en puissance. Quand le premier-né perd, toute la famille est déstructurée. Et je veux que ta tête serve de point de contact pour la maison de ton père. Je veux ce soir, Kaindobasaka, que tu serves, ta tête serve de point de contact pour la maison de ta mère. Regarde la tragédie d'Amnon. Regarde la famille royale, la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, de Jacob. Les premiers-nés ne réussissent pas. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, en Galates chapitre 3, 13 à 14, que Christ a été fait malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Christ. Bien-aimé, Jésus a payé le prix parce qu'il était maudit à notre place. Cette malédiction qui empêche les premiers-nés de la famille de prospérer, elle va être brisée ce soir, bien-aimé. Je dis, elle va le briser ce soir au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête de là où tu es. Et tu vas prier pour le premier-né de ta famille, côté paternel, côté maternel, qu'ils accomplissent leur destinée. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je vais prendre ce décret prophétique et apostolique pour renverser tout décret caché, tout décret ancestral. Yes. Qui bloque la destinée des premiers-nés. Mayon tebra si kobaha. Melo si ka illa kosi katale broche. Mare tu kazi ka inna mori baji kori katalabra. Mande kosi kalaba on telebrosa. Mets ta main droite sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang qui a coulé à la croix à Golgotha. Je déclare brisé tout décret de non-accomplissement qui pesait sur la vie des premiers-nés de ta famille.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang, je brise maintenant tout décret de non-accomplissement, tout décret d'avortement de destinée sur la tête des premiers-nés de ta lignée paternelle et maternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité et par son sang, je brise tout décret ancestral, tout décret satanique, toute ordonnance satanique qui s'oppose à la destinée des premiers-nés de famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ce décret. Je brise ce décret. Je brise ce décret. Je brise ce décret. Ma chatoria masakea. Ko inda maso kalandere posa. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'ai décrété. Acclame le Seigneur. Ma chakala karoske pro kabaha. Le maroso kabaha. Maintenant, lève la main droite. Dis, je me trempe. Esprit. Âme et corps dans la maison et dans le sang de Jésus. Je me trempe. Je suis déjà pressé. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut accomplir sa destinée ce soir? Est-ce que tu veux enfanter ta destinée ce soir? C'est à toi que je parle. Regarde-moi. Est-ce que tu es prêt à enfanter ta destinée ce soir? Si tu es prêt, donne-moi un bon amen. Amen. Si tu es prêt, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu es prêt à rentrer au laboratoire, en salle d'accouchement? Est-ce que tu es prêt à rentrer en salle d'accouchement pour enfanter cette destinée glorieuse ce soir? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Mashaka barasaka. Acclame le Seigneur. Olebro sakata la baha. Malin tolobo sakata. Lève la main droite de feu. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dis par le sang de Jésus. Toute malédiction de non-accomplissement. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute malédiction de non-accomplissement. Dans la maison de mon Père. Toute malédiction de non-accomplissement. Dans la maison de ma mère. Par le sang de Jésus. Toute malédiction de non-accomplissement. Oh, je n'entends pas ta voix. Toute malédiction de non-accomplissement. C'est la maison de mon Père. Toute malédiction de non-accomplissement. Dans la maison de ma mère. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute malédiction de non-accomplissement. Toute malédiction de non-accomplissement. Toute malédiction de non-accomplissement dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Pendant que je parle, mais je prie. Brise cette malédiction, bien-aimé. Brise cette malédiction ancestrale. Brise-la ce soir et libère ta famille. Libère ta famille. Chatana Barossa. Remama Sokayaga Barantoleba. Les Bracosi Kayantolobose. Les Katoria Basakariantolia. Rababa Shikoriantala. Les Koleproski Praantelebehe. La Brachi Koriantala Baha. Rene Kebrahataya. Kuyati Karuski Pra. Makito la braka si koria. Make sototaya. Brayente leke brahonde. Shalaga brante lebe. Ragabasi tolebe. Kantana la baroska. Iaba le brekete. Yelele bosi ande lebe. Malaka yende lebe. Shalaga brahonde. Iente lebre. Colebro sataya, le cantalabahontele, rababa sokayada,
Les Katoria Bachata. Toute malédiction de non-accomplissement dans la maison de mon père. Toute malédiction de non-accomplissement dans la maison de ma mère. Soit brisée. Soit brisée par le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus pour briser cette malédiction. Prie pour la maison de ton père. Prie pour la maison de ta mère. Où que tu te trouves. Mayen Tolomo Shikaya. Yala Baba Yaka. Priantoni Abra. Radedededededede. Shalabada. Rakan Telenebro. Ziman Telebre. Shadadadadadadadada. Yen Telebre Kamada. Il est le mosquée en Calabraha. Il est la mosquée en Calabraha. Il est la mosquée en Chatayada. Fire. Fire. Et elle me brise la malédiction. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Il est la baba chata. Mandele bre, tele bre, kadababa. Il est le mosquée en Calabraha. Le mosquée. Re ma chatayabada. Le bras attaquant de le bros qui entra. Re ma marche kahote. Itanto le brakata. Le kebrekeke. Jaya ma honte. Kina la bossi kalamaha. Redozi brakata. Jakata yataya. Yekento la maya. Rande le bosse taya. Rakade kereketa. Iko santanta la maha. Faya. Faya. Yeba mama sakaya, reba katelebre, shalagabaha, mantola brakatea, iyon tantalagaba, fire. Au nom de... Affronte la malédiction. Bien aimé, la malédiction est un esprit. Oh yes. La bénédiction est un esprit. Oh yes. Je veux te montrer quelque chose pour que tu affrontes cet esprit de malédiction. La malédiction... est comme la bénédiction. Les deux fonctionnent à la même fréquence, mais de façon inversée. La malédiction est une parole. La bénédiction est une parole. Yes. Mais derrière chaque parole, il y a un esprit. Yes. Je dis, derrière chaque parole, il y a un esprit. Oh, yes. C'est pourquoi Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Parce que Dieu sait que chacune de ses paroles est esprit. Oh yes. Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc derrière chaque parole, il y a un esprit, il y a une vie. Il en est ainsi des malédictions. Écoutez, quand Isaac bénit Jacob, qui vient subtiliser par la ruse, avec l'aide de sa mère, la bénédiction de l'aîné. Quand il bénit Jacob, et Jacob fuit pour aller chez Laban. Jacob part sans or, sans argent, sans rien. Isaac était très riche jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça, c'était Isaac. Mais lorsque son fils Jacob se sépare de lui, il part sans rien de matériel. Mais il part avec une parole qui est une bénédiction. Et à son retour, après son séjour chez Laban, Jacob rend le témoignage qu'il a traversé ce fleuve, cette rivière, en étant seul, et que maintenant, lui seul, il forme deux camps. Tellement il a prospéré. Ce qui prospère, c'est la parole de bénédiction. Ce qui donne le malheur, c'est la parole de malédiction. Yes. Donc la malédiction est un esprit. Yes. Et s'il y a une malédiction dans la maison de ton père, qui dit que vous là, vous ne devez pas accomplir votre destinée, tu dois te lever pour affronter cet esprit avec un autre esprit, oh, une yes. autre parole. Alléluia. Oh, yes.
La parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Yes. Donc tu as un esprit, tu as une parole plus forte que la parole de malédiction. Yes. Là où ils ont proclamé la malédiction, tu vas proclamer la bénédiction ce soir. Amen. Et tu vas changer la destinée de ta famille. Pour que les enfants de cette famille enfantent leur destinée. Je vous ai dit dès le premier jour, la gloire de Dieu, c'est de voir tous les enfants d'une famille réussir. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de voir tous les enfants d'une famille prospérer. Est-ce que tu es prêt à affronter cet esprit? Cette malédiction était prononcée, peut-être tu n'étais pas encore né. Amnon ne savait même pas qu'il y avait un problème comme ça. Que les premiers nés de la famille ne réussissent pas. Quand Absalom meurt, qui décide de devenir roi? Vous vous souvenez de Adonijah? Il était l'aîné de Salomon, n'est-ce pas? Yes. Mais les aînés là, ne doivent pas atteindre la royauté dans leur famille. Yes. Et c'est Salomon qui a été choisi à sa place. Yes. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Il y a des malédictions cachées qui datent depuis des générations dans nos fondements et qui font que le destin ne s'accomplisse pas. Les enfants commencent bien. Les gens commencent bien. Et à un moment donné, tout s'écroule. Retour à la case de départ. Mort prématurée. Destin brisé. Un grand footballeur qui était appelé à devenir un grand footballeur, son pied est cassé. Et il est à la maison. Un grand médecin qui était appelé à devenir un grand médecin. Il est devenu fou. Yes. Oui, c'est des choses qui se passent dans nos familles. À cause de malédictions cachées de non-accomplissement. Je veux que tu affrontes cet esprit ce soir. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Lève la main droite de feu. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dis toi la malédiction de non-accomplissement. Toi la malédiction de non-accomplissement. Ta malignée paternelle. Ta malignée paternelle. Toi la malédiction de non-accomplissement. Toi la malédiction de non-accomplissement. Ta malignée maternelle. Ta malignée paternelle. Toi la malédiction de non-accomplissement. Dans ma lignée paternelle. Toi la malédiction de non-accomplissement. Dans ma lignée maternelle. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toi la malédiction de non-accomplissement. Dans la maison de mon père. Toi la malédiction de non-accomplissement. Dans la maison de ma mère. Sois renversé, sois brisé, sois renversé, sois brisé, sois renversé. Pendant que je parle, mais je prie. Brise cette malédiction de non-accomplissement. Affronte la malédiction. La malédiction est un esprit. Affronte-la avec le sang de Jésus. Détruis-la avec le sang de Jésus. Rien ne résiste au sang de l'agneau. Rien ne résiste au sang de Jésus. Chayamarosa. Quelle que soit sa durée. Quelle que soit sa durée, tu détruis ça ce soir. Kendorobosi en Kabaya. Ramama Shekalabraha. Mantele Breke Kelebrosokala. Mareke Brosakayabade. Kelebrosokalege Broske Pala. Mareke Brasokola Gabaha. Mandele Broski en Talaba. Mandele Brekala Gabaha. Mandala gabaron solo yantele brehandala rakababa bashataya kalabrosa kabalentele brekalabaha koyama sikorianda. Brise et renverse la malédiction. Brise et renverse la malédiction. Le mama soyamaron telebre shakandala boshikala bahondea rayandele nevoski atalabade. Au nom de Holy Ghost, acclame encore le Seigneur. Wow. C'est une option de prière qui est sur mon sein. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Et le point que je veux que tu fasses est lié aux batailles à répétition. Oh yes. À un moment donné, tu dois en avoir marre des batailles. Yes. Un homme ne peut pas vivre de bataille à bataille. Oh yes. Jamais. Dieu lui-même donne du repos. Oh yes. Mais ta vie est faite que de batailles. Ouais. Tu n'as jamais la paix. C'est pas normal.
Ça marche à un moment donné et puis après les confusions arrivent. Des batailles à répétition dans ta vie, dans ta destinée. Ça t'épuise. Ça tire ton énergie, ça tire ta force. À cause d'une semence cachée. Cette semence-là est comme le miel qui attire les abeilles, qui attire les mouches. Une semence maléfique est plantée dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Elle provoque les batailles à répétition. Pas de tranquillité dans le foyer. Pas de tranquillité dans les études. Pas de tranquillité en entreprise. Que des batailles souvent qui ne... Pour rien, tu vas de bataille en bataille. Ce soir, si tu veux enfanter ta destinée, il faut mettre fin à ces batailles. La vie est faite de batailles, c'est vrai. Il faut se battre pour réussir, c'est vrai. Mais il y a des batailles invisibles qui empêchent l'accomplissement de la destinée. Il y a des batailles dont tu ne connais même pas la source. Mais elles se répètent seulement dans ta vie. Quel que soit là où tu te trouves. Dès que tu es présent quelque part, la bataille est là. Dès que tu as une petite percée, il y a une bataille qui suit. Ce soir, Dieu va localiser quelqu'un. L'ange de l'Éternel va localiser quelqu'un. Et ces batailles prendront fin. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Amen, amen, amen. You are ready. Il y a une femme qui a épousé, un homme qui a épousé une femme. Un mariage glorieux. Un mariage glorieux. Ils se sont entendus pendant des années. Ils marchaient ensemble. Ils cheminaient ensemble. Et après le mariage, le feu était dans la maison. Un mois après le mariage, c'était une fournaise ardente. Ils se battaient tous les jours, monsieur et madame. Tous les jours, il n'y avait pas de paix. Souvent, ils vont à l'église et puis ils ne se parlent pas. Au retour, chacun prend sa route. Quand le pasteur a été mis au courant des batailles qu'il y avait dans le foyer, il dit, c'est pas possible. Parce que ces deux-là ont cheminé dans cette maison. Ils s'entendaient trop pour que ça soit comme ça. Ce n'est pas un mariage précipité. Ils étaient de bons amis. Et les raisons des batailles étaient inutiles. Ils ont cherché la face de Dieu. Et en songe, Dieu va ouvrir les yeux du pasteur. Qui va se retrouver à la cérémonie de mariage quand les gens venaient remettre les cadeaux de mariage. Alors, il se dit, il y a quelque chose lié au cadeau de mariage. Donc, il convoque le couple. Il dit, vous deux là, depuis que vous vous êtes mariés, est-ce que vous avez fouillé les cadeaux que vous avez reçus? Le monsieur dit, non, on a déballé quelques-uns. Les autres sont dans une chambre là-bas, on n'a même pas ouvert. On n'a pas encore ouvert les cadeaux. Il y a beaucoup qui sont là. Il dit, allez ouvrir les cadeaux. D'ailleurs, je m'en vais avec vous. Allons, on va ouvrir les cadeaux de mariage là. Dieu m'a montré quelque chose sur les cadeaux, mais je n'ai pas vu la chose. Ils sont allés déballer les cadeaux. Ils sont tombés sur un petit paquet. Ils ont ouvert le paquet. Il y avait un cadenas cousu avec peau d'un animal, avec les poils et tout là-dessus, avec une clé et un petit message qui était écrit dans une langue étrangère. Ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait lire ce qui était écrit. Quand ils ont trouvé l'étudiant qui pouvait lire, il était écrit que jamais la paix ne règne dans ce foyer. Que jamais la paix ne règne dans ce foyer.
Après une enquête, il a été découvert que c'est un parent de la femme qui a offert le cadeau. Pas parent éloigné, parent de sang. Je ne veux pas dire parce que c'est quelque chose qui est connu. Ils sont allés attraper la femme. Pourquoi tu as fait ça? Sa maman a pris mon mari à l'époque. Celui qui devait me marier là. On est deux sœurs. Sa maman, la maman de la fille, elle est allée vers lui. Elle l'a séduit et puis il ne m'a pas marié. C'est lui, c'est elle qui l'a marié. J'ai décidé de me venger sur sa fille. La maman est morte depuis. Au mariage de la fille, tu vas planter une semence satanique dans la maison. Vous comprenez? Le fétiche était dans la maison. C'était la cause des batailles incessantes. À cause d'une rivalité ancienne. C'est pourquoi je veux que tu pries ce soir. Sur des choses cachées qui provoquent des batailles à répétition. Dès qu'ils ont jeté ça, ce fétiche-là, la paix est revenue dans le foyer. Quelqu'un acclame le Seigneur. Lève la main droite. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute sémence. Toute sémence. Cachée dans la maison de mon père. Toute sémence. Cachée dans la maison de ma mère. Qui provoque les batailles dans ma vie. Sois consumé au nom de Jésus. Toutes ces masses cachées dans la maison de mon père. Toutes ces masses cachées dans la maison de ma mère. Qui provoque les batailles dans ma vie. Qui provoque les batailles dans ma destinée. Sois consumé. Sois consumé. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Pendant que je parle, mais je prie. Mets le feu sur cette semence qui provoque les batailles. Cette semence qui attire les batailles. Masataya bosaya. Mori masakaya. Tu n'es pas obligé de voir la semence. Tu n'es pas obligé de la connaître. Mais il faut prier. Mashalagabaha. Lenele bosika lagabade. Rolomoshita labaha. Kelele bosanta labahe. Rakada lagabaha. Oriandere Boshaka, Orama Mashaka, Mandere Bosaka, Yelabashi Koriande, Ratayama Bosa, Le Katana Brahande, Le Inamama Sokayada, Kayata Lababa Basha, Reketa Labaha, Lamama Sokayande Rege Brosaka, Mayaka Le Brosaka Brakatala. Les batailles à répétition prennent fin maintenant. Les batailles à répétition prennent fin ce soir. Masha Yamarose. Mandelebre Kalagabaha. Yelebre Andelebroski Andalabaha. Masha Lama. Mets le feu sur les semences qui provoquent les batailles. Toutes semences qui provoquent des batailles dans ma vie. Brûle en centre au nom de Jésus. Sois consumé au nom de Jésus. Chamalebro Sataya. Lehanda Lavaroske. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, prie. Ayande le gauche. Le Malababosa. Le Baba Shakalagaba. Le Brako Yende le Boshi Kalabaha. Rakadebro Sakada. Le Brako Tolebre Kalabaha. Le mama mama mashakalabaha, le brako sikatabaha, mande le boshi kalabaha. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Au nom de, dis-toi la semence satanique. Toi la semence satanique. Cachée dans la maison de mon père. Cachée dans la maison de mon père. Toi la semence satanique. Toi la semence satanique. Cachée dans la maison de ma mère. Cachée dans la maison de ma mère. Qui attire les batailles dans ma vie. Qui attire les batailles dans ma vie. Prends feu. Prends feu, 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 prends feu.
prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Allez, prie Holy Ghost fire. Ayamaros fire. Rebaba shaka yamarosa. Le malon de l'ébé saka. Malen de l'ébé shaka tabagaba. Rebebebebe shaka laba. Le brekebe rababo shaka. Rebaba shakata. Rebaba shakaya. Le malon de l'ébé brosakada. Le brakayen de l'ébé shakaya. Rebaba shika labane. Le brakosika labane. Alléluia, acclame le Seigneur. Vous vous souvenez de Jonadab? Je vous ai parlé de Jonadab. Ces personnes qui représentent l'ivraie. Yes. L'ivraie. Yes. L'ivraie, l'ivraie. Qui sont dans nos familles. Yes. Tant que ces personnes sont dans la famille, aucun destin ne s'accomplit. Oh yes. Ils sont à la base des divisions familiales. Yes. Ils sont à la base des divisions dans nos assemblées. Yes. Il faut que tu affrontes cet esprit. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ça veut dire qu'il y a des personnes impactées négativement, des Jonadab, avec un esprit tordu, une âme frélatée comme Koutoukou, qui trouble la paix dans nos familles. Une famille désunie ne peut pas accomplir sa destinée prophétique. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Une famille désunie ne peut pas accomplir sa destinée prophétique. À chaque famille sur la face de la terre, Dieu a confié une mission. À chaque famille. Le rôle de l'ennemi, c'est de provoquer la division, les meurtres, les trahisons, les fausses accusations, pour que la famille soit divisée. L'ennemi connaît la parole du Seigneur qui dit qu'une maison divisée contre elle ne peut subsister. Regardez autour de vous, les organisations sociales, syndicales, politiques divisées, elles ne peuvent jamais réussir. C'est une loi spirituelle. Yes. C'est une vérité établie. Yes. Que quand il y a la division, la haine, il ne peut pas avoir la prospérité. Yes. Regardez Jonadab dans la famille de David, un cousin. Regardez ce qu'un cousin peut provoquer dans la famille royale. Donner une mauvaise idée, une stratégie satanique à son frère d'ami, à son cousin d'ami, pour souiller, arracher la virginité de sa propre petite demi-sœur. Ensuite, être informé de la résolution de meurtre, d'assassinat d'Absalom contre Amnon et garder le silence. Et enfin, être le porteur de mauvaises nouvelles. Un manipulateur, un homme très habile. La Bible dit en Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus habile. C'est Jonadab, cet esprit. Jonadab était le plus rusé, le plus habile de la famille de David. Son père était le frère de David. Il n'a pas cherché le bonheur de la famille. Il a provoqué la mort, la division et la rébellion.
Si Amnon n'avait pas violé Tamar, Absalom ne se serait jamais révolté contre son père. Il n'y aurait pas eu de rébellion. David est celui qui a provoqué tout cela. Quand il a tué Uri pour lui prendre sa femme Bathsheba, Dieu lui a pardonné, mais Dieu lui a dit, l'épée rentrera dans ta famille et ne s'éloignera pas. Yes. C'est cette malédiction qui a entraîné tout ce que je viens de vous dire. Les Jonadab sont de livrets dans nos familles. Oh, yes. Les Jonadab sont de livrets dans nos assemblées. Yes. Ce soir, je veux que tu pries. Quiconque représente Jonadab dans ma vie, quiconque représente Jonadab dans la maison de mon père, quiconque représente Jonadab dans la maison de ma mère, que tu disparaisses au nom de Jésus. Que le vent d'Orient t'emporte au nom de Jésus. C'est cette prière que tu vas faire avant que je ne prie pour les malades. Il faut te préparer. Je t'ai dit ce soir, il y a des malades qui seront guéris. C'est ce que Dieu m'a dit. Qu'il va guérir des malades ce soir. Parce que sa parole est sortie pour guérir des malades. Je t'ai annoncé de la part du Seigneur que tout ce qui n'a pas sa place dans ton corps doit tomber ce soir. Amen. C'est pourquoi je veux que tu fasses cette prière d'abord. Somebody shall fire. Acclame le Seigneur, lève-toi, tu vas prier. Lève la main droite. Dis toute personne. Toute personne. Aïe, vous êtes déjà fatigué? Alléluia. Acclamez le Seigneur, réveillez-vous. J'espère que vous n'êtes pas fatigué en ligne. Mes soldats ici, mes guerriers ici. Alléluia. Les batailles de la destinée sont difficiles. Si tu n'es pas fatigué, écris, je ne suis pas fatigué. Alléluia. Écris, je ne suis pas fatigué. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Les mots ça. Lève la main droite. Holy Spirit. Dis toute personne. Personne qui représente l'ivraie, qui représente l'ivraie, toute personne, toute personne qui représente l'ivraie, qui représente l'ivraie, dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, toute personne qui représente l'ivraie, qui représente l'ivraie, dans la maison de ma mère, dans la maison de ma mère, toute personne qui représente l'ivraie, qui représente l'ivraie, toute personne qui représente l'ivraie. Si tu fais cette prière, tu vas voir comment ta famille va prospérer. Tu vas voir comment la délivrance va venir. Tu n'as pas besoin de dire les sorciers n'ont qu'à quitter. Ils vont partir demain à partir de ce seul point de prière. Regarde l'esprit de cette prière. Regarde la parole qui sort. Somebody shall fire. Dis toute personne. Toute personne. Qui représente l'ivraie. Toute personne. Qui représente l'ivraie. Toute personne. Qui représente l'ivraie. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, disparaît par le feu au nom de Jésus. Toute personne qui représente l'ivraie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, disparaît par le feu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, commence à prier. Malendolobo Shekalagabaha. Remama Sakayanderebo. Le Kababa Sakata. Koya Mama Shakaya. Rema Shakalegebro Satayabada. Reba Baba Shakayabade. La Kayanderebe. Koya Mama Mama. Le Mama Shakaye. Olebro Sakabada. Le Mama Mama. Et dans la Baba Shakaya. Re mama shaka, re mama yada, e le bros kamayade, kanda la baba, ye na mama yada, ye na la bala bara baba saka yada, le mama mama yada la bada bada, shaka bros la bada bada, le brayande le bros ki yada ba, bonada, Holy Ghost, dit toute personne qui représente l'ivraie, toute personne qui représente l'ivraie dans la maison de mon père, toute personne qui
Il représente l'ivraie dans la maison de ma mère. Soit consumé, soit dispersé, soit consumé, soit dispersé. Disparaît maintenant. Au nom de Jésus, commence à prier. Machaka Yagada. Les brosoko yagada. Les toriamasaka yandelebos. Rakayamasuka yada. Les bossi brakatakata. Fire. Fire. Mande les bros pour en élever. Bale bros qui prend dans la gabaha. Kodia mama mama sokaria delebe. O kaina mama sataya. Le mama masokoya va delebe debede. Kodia mama sheke le bros katayana. E na mama sokoro moshata. E na mama sayan delebos. Le mayan delebe debede. Le braka le bros koya delebe. Élève la voix et prie. Mayen de la bossa. Kerian de l'ébène. Kere bros que yam da la bada bada bada. Le bros au koraba bada bada. Kore bros au koraba de. Kere mama sakata la gaba. Le bros aï na malonde. Mayan de l'ébossi kanabaha. Mandele que bros kota la baha. Mandele preya kono bossi adelebe. Mayan de l'ébossi kanabaha. Le mama mama masokaya. Rama mayen de l'ébossi kaya. Re mama mama mama. Mandele bele 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 bele. Borian de l'ébele bele bele. Roko si branta la gaba. Mama mama mama. Au nom de Dieu, dis-toi la personne qui représente l'ivraie dans la maison de mon père. Toi la personne qui représente l'ivraie dans la maison de ma mère. Sois dispersé au nom de Jésus. Pendant que je parle et même je prie, élève la voix et prie qu'il s'éloigne de la famille. Rema Shakayabado. Kelebro Satayabada. Marose Katayabada. Faya. Faya. Élève la voix et prie. Oya Masakaya. Prie. Tous les jeunes à d'avoir quitté ta famille. Tout ce qui représente l'ivraie, les jeunes Adam doivent être jugés. Et Yamaso Yamada Bada Bada. Au nom de Holy Ghost, est-ce que tu peux commencer à acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux commencer à acclamer le roi de gloire? Je vais inspirer un prix. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a fait. Merci pour l'exaucement. Tu es exaucé au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. S'il te plaît, pendant tout le programme de Glory Family, des gens ont été guéris sans avoir prié avec nous. Parce que quelqu'un a écrit leur nom. Alléluia. Quelqu'un a écrit un nom. Une fois, j'ai reçu une offrande d'une dame en Europe. J'ai reçu un coup de fil en ligne normale d'Europe. J'ai pris, je ne sais pas c'est qui. La dame se présente à moi.
mais je ne vois pas ce qui. Elle dit, au travers de vos prières, le Seigneur m'a guéri. Je dis, gloire à Dieu, vous avez suivi le programme? Elle dit, non. Ma soeur a écrit mon nom. Et j'ai obtenu la guérison dans la nuit, miraculeusement. Un ange est venu me guérir. Une personne, je lui ai dit, c'est un ange. Elle décrit, je dis, c'est un ange. Le matin, je me suis réveillé, il n'y avait plus de symptômes. Je devais aller à l'hôpital, je ne suis plus parti à l'hôpital. C'était un problème de poumon. Ça s'est réglé seul. Parce que quelqu'un a écrit son nom. Et l'ange de la guérison, il est partout où nous sommes. C'est pourquoi je dis, Dieu m'a mandaté ce soir. Yes. Pour que quelqu'un reçoive sa guérison. Pour que la semence qui est en toi, qui provoque la maladie, que cette semence-là disparaisse ce soir. Amen. Mais je veux qu'on prie pour toi et je veux qu'on prie pour la personne à laquelle tu es connecté. Je t'ai dit que nos destins sont interconnectés. Nos destinées sont interconnectées. Si tu as un malade, d'une maladie mystique, étrange, oui, il y a des maladies mystiques, qu'aucune radio ne peut voir, qu'aucun scanner ne peut voir. Il y a des gens qui sont tombés malades du sida par la sorcellerie. Des injections sataniques. Il y a des gens à qui on a donné de la nourriture empoisonnée dans les rêves. Dès qu'ils ont mangé, ils ont cru que c'était leur bon plat de foutu qu'ils aiment. Ou de sauce copain, ou bien, je ne sais pas, de choro comme chez moi à Porogo. J'aime le choro, donc quelqu'un vient me donner Tchonron. Il y a longtemps, il cherche ça, il ne gagne pas. Je cherche Tchonron, actuellement, je ne trouve pas. Donc, mes frères et sœurs, c'est nous faut en ligne. Là. Envoyez-moi Tchonron ici. La femme d'Idriss va préparer à manger. Hein? Tu sais faire ça, non? Lady Diana, tu sais faire Tchonron? Ah, c'est avec feuille de haricot. Ah, je vais faire là. Je vais te montrer. On fait venir ça d'Abidjan. Envoyez-moi du bon Tchonron, je vais manger. Avec un bon cabato. Imaginez que j'ai faim, je vais manger Tchonro actuellement. Et puis, en songe, le porteur de brassard ou la porteuse de brassard vient me donner un bon plat de Tchonro. Et dans le rêve, si je ne suis pas spirituel, je me jette là-dessus. Et quand je me réveille le matin, je suis ma bouche comme ça. J'ai bien mangé. Viens, tu viens de manger ton poison comme ça. Et ça va te tuer à petit feu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause d'une consommation dans les rêves. Un dépôt satanique. Il y a des femmes qui sont devenues stériles parce qu'un esprit de mari de nuit a déposé une semence satanique. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter à cause de ce qu'on appelle fibrome. Si tu as fibrome ce soir, je te le dis par le feu de Dieu, par l'esprit de Dieu, par le sang de Jésus. Ça ne peut pas rester dans ton corps après cette prière. Fibrome ne peut pas rester dans ton corps après cette prière. Si tu as vraiment la foi, après cette prière, va contrôler ton corps. Tu n'en trouveras pas. Tout ce que je te demande ce soir, c'est un décuplement de ta foi. Pour chasser ces implants sataniques, pour faire tomber ces corps étrangers de ton corps. Si tu as la foi, je ne te demande rien d'autre que la foi de cette femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Cette femme a tout essayé auprès des hommes pour obtenir la guérison. La main de l'homme n'a pas pu la guérir.
La main de l'homme n'a pas pu la soulager. Ce n'était pas quelque chose qu'on ne pouvait pas guérir. Ce n'est pas aujourd'hui que la médecine existe. La médecine est antique. Les autres guérissaient, mais elles ne guérissaient pas. Ce n'est pas maintenant. Les femmes ont souvent des menstrues qui durent pendant un moment, des dysfonctionnements hormonaux et autres. Mais cette femme ne réussissait pas à guérir. Mais là où la main de l'homme s'est arrêtée, le manteau de Jésus a pris le relais. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je dis, là où la main des médecins s'est arrêtée, le pan de la robe de Jésus, le pan de la robe de Jésus a pris le relais. Là où les instruments de médecine, là où les concoctions qu'elle buvait, les remèdes qu'elle buvait, là où tout ça a échoué, un seul morceau de tissu qu'elle a touché a réglé le problème. Là où la main de l'homme s'est arrêtée, le manteau de Jésus a réglé cela. Il y a le manteau du Saint-Esprit ce soir ici. Il y a le manteau de Jésus ce soir dans cette maison. En ce lieu, maintenant même, il y a un manteau de guérison qui flotte là où tu es. Est-ce que tu peux le toucher par la foi? Est-ce que tu peux toucher ce manteau de guérison qui flotte là où tu te trouves? Par la foi, cette femme a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Elle a déterminé elle-même son moyen de guérison. Elle n'a pas dit, si je le salue. Elle n'a pas dit, s'il me voit. Il n'a pas besoin de me voir. Mais moi, je dois tendre la main pour toucher une seule touche. Dis une touche. Dis une seule touche. Tu as besoin d'une seule touche ce soir. One touch. Il y a un manteau de guérison qui flotte. Si ta foi touche ce manteau ce soir, tout ce qui est en toi qui ne doit pas être dans ton corps va disparaître. Je dis, tout ce qui est en toi qui s'appelle fibrome va tomber. Une touche, une seule touche. Mantabaha. Elle a tendu la main seulement. Dis, Seigneur, je vais toucher ton manteau ce soir. 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 Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire, je vais toucher ton manteau de guérison ce soir? Est-ce qu'une femme peut dire, Seigneur, je vais toucher ton manteau de guérison ce soir? Seigneur, je vais toucher ton manteau. Je vais toucher ton manteau de guérison ce soir. Et tu peux toucher ce manteau pour quelqu'un d'autre. En écrivant son nom. En le recommandant à la grâce de Dieu qui est là ce soir. À l'atmosphère spirituelle de guérison qui est là ce soir. La Bible dit, dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Et la même parole de Dieu nous dit dans l'Exode chapitre 15, au verset 26, car je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord that healeth thee. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Yes. Il envoya sa parole et il les guérit. Oh, yes. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a un manteau qui flotte. Yes. Il y a un manteau de guérison qui flotte. Est-ce que tu peux avoir la foi pour toucher ce manteau? Oh,
maintenant par la foi. Ouvre ton cœur maintenant. Si tu as la fibre, mets ta main sur ton bas-ventre. Mets ta main droite sur ton bas-ventre. Si tu as mal quelque part, place ta main là-bas simplement. Place ta main là-bas, là où tu as mal. Touche le manteau. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le manteau de guérison est là, en ce moment même. Pendant que nous adorons le Seigneur, le manteau de guérison est là, touche-le. Mashata yabroskata. Manda namaroske prahina kalenda babosa. Je suis le Dieu. Kayanto le brasa kabade. Mayando remashiko la baha. Kayanto la brake la brato le brasa kabale. Mayenta namamose kayanda la gaba. Kira shanto le gebro satayama. Ko enta libra sakate. Malenda rose brakata. Le mama soyande lebe. Regarde mes mains. Touche maintenant. Touche ce manteau par la foi. Ce ne sont pas des mains, c'est un manteau. C'est un manteau que tu vois qui flotte maintenant autour de toi. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, a dit cette femme. Maintenant, j'ordonne à tout ce qui s'appelle fibrome. Tout ce qui s'appelle fibrome dans ton corps. Tout ce qui porte le nom de fibrome dans ton corps. Tout ce qui répond au nom de fibrome dans ce corps. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Toi qui réponds au nom de fibrome. Toi l'excroissance qui répond au nom de fibrome. Je t'ordonne maintenant de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas demeurer dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu tombes maintenant même au nom de Jésus-Christ. Chaka et tole kayande. Mahina la kose. Kali tokosi prakata. Explose maintenant. Roussayate keturia makate le bada. Brikosu kayata la kateketa. Roshi kaina kaya. Toi ce corps étranger qui est dans ce corps-là. Toi, ce corps étranger, entends la parole de l'Éternel. Toi, cette semence satanique, dans ce corps, quel que soit ton nom, la Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je t'ordonne fibrome. Je t'ordonne insuffisance rénale. Je t'ordonne maladie étrange. Je t'ordonne AVC de disparaître de ce corps maintenant. Disparaît de ce corps en contact avec ce manteau. Au nom de Jésus-Christ. Pars! Pars!
bras katayaba. Tu es en train de recevoir ta guérison maintenant. Femme, tu es en train de recevoir ta guérison maintenant. Frère, tu es en train de recevoir ta guérison. Jésus-Christ te visite. Son ange te visite. El Rapha te visite. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'envoie ma parole maintenant qui sort de la bouche de mon serviteur. Cette parole te touche. Cette parole, c'est mon manteau de guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Mayandori Bras Prosata Kabaha. Chaque nom mentionné, chaque nom écrit, reçoit sa guérison. Mayatole Brosayamakata. Koyamama Sota Kabrahan Telebe. Maintenant, commence à acclamer. Commence à acclamer à tout rond. 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 Acclame de plus en plus fort. Acclame plus vite. Acclame de plus en plus fort. Acclame de plus en plus rapidement. Commence à acclamer de plus en plus fort. De plus en plus vite. Commence à acclamer. 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 De plus en plus fort. De plus en plus vite. Merci Seigneur. Merci pour ce puissant témoignage. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jéhovah Rapha. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Dis, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri. Mets ta main droite sur ta tête. Dis par les meurtrissures de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri. Totalement guéri. Définitivement guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Aucune sémence satanique ne reste dans mon corps. Au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri. 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 Yes. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Breathe. Breathe. Your spirit of healing. Your spirit of healing. Your spirit of healing, ton esprit de guérison, souffle. Ton esprit de guérison, souffle. Ton esprit de guérison, souffle. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Suis chaque destin, suis chaque âme, suis chaque destinée. Esprit, 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 souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Suis chaque ossement desséché, suis chaque corps desséché. Sur chaque organe desséché, sur chaque organe malade. Souffle, esprit. Esprit, souffle des quatre vents. Souffle et redonne vie. Redonne vie. Redonne vie à tout ce qui était mort. Redonne vie à tout ce qui était mort. Esprit de résurrection. Esprit de résurrection. Souffle. Souffle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Souyama leba. Jaya
Le gazata yatala malakata lakala maloko nakabade rakantanto le ki etanto le mala brayonda inda marushke pranakata lake kosaka ikana maroske ka inta untele branta kata mayempo le brasika yatolia jati kosa inale fraina roshki priantoria friata kiata mate frio talamaranti le brushki branta maketo joya ki la malo inna kama ma on tele kabosheka ikaros ke pa inna marose dia to ina maate akikuria makate ra inna ante ona ma inna kayende. Holy Spirit, I give you praise. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Yes, you are the Lord Most High. Oui, tu es le Dieu très haut. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Il y a un revêtement qui va venir sur toi. De là où tu es, le feu de Dieu va te toucher du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu vas ressentir une forte onction. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, le feu de Dieu va t'envelopper. Il y a un manteau qui va tomber sur toi de là où tu es. Yes. Yes. Lève les deux mains vers le ciel seulement. Reçois. Reçois ton manteau. Reçois ton manteau. Malin ton lébros kataba. Non, je le veux doux, je le veux pas rapide, pas rapide. Je le veux lentement. Lentement, lentement. Les mamas souillent, les rochers dans la barababa. Les mamas la barima s'attendent à la gabosi kayabada. Et maya tante les gebada. Banda la gababoshe kalabaron tene gebé. Le feu de Dieu t'enveloppe. Une onction fraîche descend sur toi. Une onction fraîche descend sur toi maintenant. Oh, inamasakaye talabaroske. Merci Jésus. Acclame-le. 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 Wow. Wow! Wow! Est-ce que c'est tout ce que tu peux donner comme acclamation au Seigneur? Tu es guéri au nom de Jésus. Sylvie Kouassi, les trompes de ta petite sœur sont débouchées à l'instant même. Au nom de Jésus. Sylvie Kouassi, je dis les trompes de ta petite sœur sont débouchées dès cet instant par l'ange de l'Éternel qui est présent ici et qui visite ta petite sœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prendre une offrande sacrificielle à côté de toi pour sceller ta guérison? Prends une offrande pour sceller ta guérison. Hier, je n'ai pas pris d'offrande parce que je n'étais pas conduit par l'esprit pour le faire. Quelqu'un m'a écrit pour dire, papa, on n'a pas pris d'offrande. Oui, quand je ne suis pas conduit à le faire, je ne le fais pas. Mais si toi, tu étais conduit hier, après la prière, à prendre une offrande, à faire une offrande, tu es libre de faire ton offrande, bien aimé. Tu es libre de faire cette offrande. Mais ce soir, je veux que tu prennes une offrande. Une offrande pour sceller cette guérison. Chata kabana. Le kasota la baha. Ko inda massa. Je peux avoir une enveloppe. S'il vous plaît, donnez-moi une enveloppe. Révérend pasteur, est-ce que tu peux mettre le numéro pour ceux qui veulent apporter les séquences? Prends une offrande sacrificielle, une semence. Merci, Seigneur de Dieu. Prends une offrande, s'il te plaît.
que tu vas utiliser comme point de contact. Oh là là, il y a une erreur sur le nom de Idriss Ouattara. Sur le... ce que je vois, c'est Idrissa Ouattara. Donc il y a une erreur. La présidente de Dark Ministries, il faut corriger ton papier. Révérend Ben, tu peux corriger, mais il y a l'autre texte. Tu peux changer ça, s'il te plaît. Il y a une erreur là-dessus. S'il te plaît, prends ton offrande que tu vas utiliser comme point de contact. Je vais déclarer des paroles sur ton offrande. Je vais déclarer des paroles sur cette semence que tu as dans la main. Je vais proclamer quelque chose là-dessus. Pour sceller ce qui a été accompli en toi ce soir. Can I have a string, s'il vous plaît? Éternel, tu as dit, lève ton offrande. Éternel, tu as déclaré que tu es l'Éternel qui guérit. Tu as offert ton fils en sacrifice à la croix du calvaire à Golgotha. Et par la bouche de ton serviteur, le prophète Ésaïe, tu as déclaré que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a accompli cette œuvre inouïe à Golgotha. Et son sang a coulé, non seulement pour nous racheter de la condamnation éternelle, mais pour nous guérir de toutes nos afflictions, en accomplissement de ta bonne parole. Père, voici nos semences. Et nous prions en ce soir, Jéhovah Rapha, toi le Dieu de la guérison, qui a guéri Ézéchias par miracle. Toi le Dieu de la guérison, qui a guéri Naaman le lépreux. Toi le Dieu de la guérison. Que cette semence serve de point de contact pour sceller, ô Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, la guérison que tu as opérée en chacun de nous ce soir. À ceux qui sont de près, comme ceux qui sont loin, à ceux dont les noms ont été mentionnés lors de la prière, que cette semence de guérison parle. Que cette semence de guérison parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa voix étouffe la voix de toute maladie qui subsistait dans notre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diabète meure. Que la tension artérielle disparaisse. Que les fibromes tombent. Que les AVC soient guéris. Que toute substance étrangère qui était dans le corps s'en aille au travers de ce point de contact. Nous scellons cette guérison miraculeuse que tu viens d'opérer par cette semence au nom de Jésus-Christ. Partout où cette semence sera utilisée pour l'avancement de ton royaume sur la terre, souviens-toi de chaque âme. Souviens-toi de chaque famille. Souviens-toi de chaque personne recommandée à la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer ta semence. Je peux avoir le panier.
Les numéros vont circuler. Vous pouvez l'envoyer par Orange Money. Vous pouvez l'envoyer par RIA, MoneyGram, Western Union. Il y a une erreur sur le nom de la fiche que vous voyez. Au nom Idriss, écrivez Idrissa. Si vous voulez le faire par mandat, il n'y a pas de problème. Mais tous les numéros sont là. Aujourd'hui, on ne se fatigue plus pour RIA et autres. Vous pouvez le faire de façon numérique. Sauf ceux qui sont dans les méthodes traditionnelles, les anciens qui ne veulent pas aller télécharger des applications. Merci Seigneur d'avoir opéré pour nous ce soir à la guérison. Yes Lord. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous séparer ce soir. Félicitations pour ce jour, gloire à Dieu. Nous nous retrouvons demain. Faut-il faire plusieurs enveloppes ou une seule enveloppe pour chaque soir? Selon ce que Dieu vous donnera, vous inspirera. Ce n'est pas tous les soirs que nous allons prendre des offrandes. Gisèle Sauvage, tu es déjà guérie. Tu vas te réveiller le matin, tu n'auras plus ce mal de dos, ma fille. Ça fait un moment, Gisèle. Où tu es passé? J'espère que tu vas bien. C'est ma fille, je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Sinon, j'allais rendre son témoignage. Gisèle a semé dans ce ministère la maison du témoignage. Gisèle Sauvage, que Dieu te bénisse à vie. Pour la semence que tu as apportée, et qui a changé beaucoup de choses dans cette maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, Gisèle, vraiment que Dieu te bénisse. Donc ce mal de dos là, quand tu vas te réveiller, il n'existera plus. Voilà. Donc ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur de faire. Si vous voulez faire plusieurs enveloppes, chaque soir une enveloppe, vous êtes libre. Hier par exemple, je n'ai pas fait d'appel à semence parce que je n'étais pas conduit. Mais la semence est libre, elle est volontaire. Ce soir, j'ai été conduit à le faire, je le fais. Je ne sais pas pour demain. Je ne sais pas. Donc, mais si Dieu vous met à cœur de le faire, vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aujourd'hui 350 membres. Non, 310. Il ne faut pas que je m'abuse. Sur Glory Family. 310 membres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On grandit. Glory Family est un ministère en ligne, une communauté virtuelle de croyants qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, qui veulent manifester la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur famille et dans leur nation. Voilà Glory Family. Nous appartenons à différentes dénominations religieuses chrétiennes, avec pour seul dénominateur commun, le Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Même au ciel, il y a plusieurs demeures. Au ciel, il n'y a pas cour commune là-bas. Alléluia. Il n'y a pas cour commune. Il n'aura pas qu'on ça. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Ce sont ces mêmes demeures qui sont représentées sur la terre. Le royaume de Dieu est fait de plusieurs demeures sur la terre. C'est pourquoi il faut avoir le cœur ouvert à toutes les communautés religieuses, à toutes les communautés qui croient à la mission du salut de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 2. Merci, Gène 1. Donc nous appartenons à différentes communautés. D'autres sont évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, catholiques, à toutes sortes. Et nous nous retrouvons au sein d'une communauté virtuelle qui s'appelle Glory Family, famille glorieuse. Nous avons un groupe WhatsApp. L'adhésion est libre, gratuite. Aujourd'hui encore, on a fait quelques personnes. Les numéros sont en titre sur Facebook, je ne sais pas sur YouTube, mais les numéros sont. Si vous voulez nous rejoindre,
vous êtes libre de nous rejoindre. On organise chaque fois des programmes comme ça pour prier ensemble. Et les témoignages abondent et surabondent dans la gloire de Dieu. Donc nous ne sommes pas une église. Nous sommes juste une communauté de prière qui veut voir et manifester la gloire de Dieu. Et c'est un hôtel de prière Glory Family. Et depuis que nous avons commencé, beaucoup de personnes sont bénies, beaucoup de témoignages, beaucoup de restaurations. Et aujourd'hui, on peut avoir le cellulaire pour le dépôt. Oui, sur YouTube, Révérend Ben, est-ce que tu peux mettre la photo sur YouTube? Tu peux l'ajouter sur YouTube, s'il te plaît. Tu peux l'ajouter sur YouTube parce que les gens demandent le numéro. La même affiche, mets-la sur YouTube en commentaire. Il y a des numéros Orange Money, il y en a deux ou trois. Il y a un numéro Wave. Quel que soit ce que Dieu vous mettra à cœur, vous le faites. Cathy Comaclo, tu es guéri au nom de Jésus. Le sang de Jésus t'a guéri. Nous nous retrouvons demain pour le quatrième jour. Le thème de demain, nous allons poursuivre un peu, mais le thème de demain, c'est le cri de la destinée. Demain, c'est le cri de la destinée. Demain, quatrième jour, le cri de la destinée. Toutes les prières que nous venons de faire ce soir, avec d'autres prières additionnelles, seront sur le groupe Glory Family. Je ne mets pas les prières sur WhatsApp, sur Facebook pour une question d'éthique. Voilà. Je ne veux pas le faire. C'est pour un groupe restreint, ceux qui sont sur WhatsApp. Mais vous pouvez partager, mais en privé, pas sur Facebook, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui sont sur Glory Family, vous aurez la prière dans quelques minutes. Et vous allez continuer à prier toute la journée de demain. Nous nous retrouvons le soir, 19h, pour le cri de la destinée. Quelqu'un va enfanter sa destinée avant le dimanche 12 novembre 2023. Amen. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés pour ce moment. C'est Dieu qui l'a décrété parce qu'il veut te bénir. Shalom chez vous, shalom sur la nation ivoirienne, shalom partout où vous vous trouvez. Restez dans la paix, restez couverts par le sang de Jésus. Révérend pasteur Boro va nous conduire à la sortie comme il nous a conduit à l'entrée. À très bientôt, donc demain, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons. Glory Family, que Dieu vous bénisse.